vous votre propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à notre grosse interview hebdomadaire. Ce soir, nous recevons Ricardo. Bonsoir, Ricardo. Bonsoir. Alors, Ricardo ou Richard? Parce que Ricardo, c'est peut-être ton Ricardo, pseudo. c'est un pseudo, c'est Richard. D'accord, bonsoir, Richard. Donc, moi, j'ai connu Richard comme ça, sur Twitter. J'ai vu que ce qu'il mettait était très, très pertinent. Après, j'ai un peu regardé sa page Facebook, etc. Et j'ai vraiment bien aimé. Et après, on a commencé à discuter en off. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une histoire de vie et un passé très, très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire une petite interview, n'est-ce pas, Richard? Ouais. On va essayer en tout cas. Ouais. C'est un exercice que je ne connais pas, donc on va s'essayer. Bah, de toute façon, tu dis exactement ce que tu as dit en off et puis tout ira bien, quoi. On va essayer. Voilà. Donc, explique-nous un peu ton parcours. Enfin, commencer par le début, quoi, universitaire, et puis après, professionnel, et comment tu es arrivé au trading, et puis on va dérouler après à partir de ça. D'accord. Alors moi, j'ai un parcours universitaire où j'ai fait des études de gestion d'entreprise, puisque j'ai fait un DUT, puis ensuite j'ai fait une maîtrise de gestion. Ouais. J'étais d'abord à Rennes, puis ensuite à Toulouse, et où j'ai fait évidemment option finance, hein, dans les deux cas. Déjà passionné de bourse, même déjà étudiant. Et il se trouve que quand j'ai fini ma maîtrise, j'avais un stage à faire et je l'avais obtenu chez Cholet-Dupont, qui était un des grands de la place parisienne, et un professeur qui avait plus envie de passer ses vacances tranquilles que de me refaire passer mes examens m'a refusé le stage, et j'ai jamais pu rentrer chez Cholet. Et ça aurait certainement pu être un début dans le monde de la finance, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été un raté qui m'a fait un petit peu oublier tout ça pendant des années, puis je suis revenu beaucoup plus tard. J'ai fait une carrière, moi, après de cadre, hein, dans les entreprises. Avec une grande partie de cette carrière, j'approche les 50 ans, hein, donc ça y est, il y a quelques années derrière moi. J'ai fait une dizaine d'années en sauvetage d'entreprise, hein. J'ai pris des directions de sociétés en très mauvaise santé, et donc je les ai redressées. Et voilà, j'ai fait ça une dizaine d'années. C'est un métier très difficile, hein, Tu mais travaillais passionnant et extraordinaire. dans un cadre pour une boîte qui faisait ça ou tu faisais ça à ton compte? Je faisais ni ça à mon compte, ni ça pour une boîte. J'avais été recruté dans un premier temps un poste de direction et rapidement j'ai découvert que bon ils m'avaient pas trop dit au début hein, mais j'ai découvert que l'entreprise allait très mal et puis j'ai relevé le défi et puis j'en ai fait trois comme ça. Voilà, avec la fierté aussi de se dire que j'ai laissé personne sur la paille dans les salariés et ça c'est quand même assez extraordinaire. On peut sauver des boîtes avec de l'énergie et de l'avant et pas en cassant des outils et c'est voilà, c'est une période extraordinaire, mais et aussi très usante. Donc voilà, j'ai choisi de faire autre chose après. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus être sous la responsabilité de quelqu'un quand on a été dirigeant. C'est vrai que c'est difficile ensuite d'être dirigé et puis de voir des gens parfois qui prennent des décisions qu'on n'aurait pas prises, quoi. C'est comme ça que je suis revenu vers le monde de la bourse. Après, une histoire de vie personnelle qui a été beaucoup plus qui a été assez chaotique et qui m'a fait changer de vie complètement il y a maintenant 6 ans quoi. Parce que tu m'avais dit que tu avais tout perdu suite à un mauvais divorce, en fait, pour dire les Alors choses plus mauvais divorce, simplement, quoi. mais ouais mauvais divorce, bon je suis pas le seul hein, évidemment, Ouais. mais dans un contexte où voilà, on a parlé un petit peu en off, mais moi ça me dérange pas d'en parler, mais j'ai vécu
ce que j'ai considéré, en tout cas ce que mon corps, ce que mon esprit a considéré comme un drame, puisque ma deuxième fille, quand elle est née, née avec un très lourd handicap, et ça m'a détruit, hein. Ça m'a détruit, hein. Comme je dis souvent, le 20 décembre 2007, c'est le premier jour du reste de ma vie, et ma vie a totalement changé. Donc voilà, et à ce moment-là, j'étais dirigeant, etc., et tout s'est effondré. Tout s'est effondré, et finalement, aujourd'hui, tu as un homme devant toi qui est souriant, qui est heureux, qui gère sa fille comme il peut, évidemment, mais qui, après être passé par des moments noirs, a rebondi, je me suis refait. Financièrement, ça a été très, très, très dur. J'ai eu même des moments où j'ai eu faim, hein, je peux le dire, hein, clairement. Et je crois que je n'étais pas bien loin pas bien loin d'être à la rue. Et puis à un moment donné, il y a eu deux, trois petites lueurs, il y a deux, trois personnes qui passent dans ta vie, puis qui te font rebondir un petit peu. Et puis tu reconstruis une vie professionnelle beaucoup plus modeste, parce que bah, psychologiquement, c'est difficile de repartir sur des choses aussi intenses que ce que j'ai vécu, même si c'était passionnante. Et puis, t'en as peut-être Et plus puis. besoin aussi. Oui, plus le besoin, envie d'autre chose. Et vu que ma fille a un fort soupçon d'intoxication médicamenteuse, tu regardes plus la vie de la même manière sur beaucoup de sujets, hein. La notion d'ambition est totalement rayée de ton vocabulaire. Quand tu as un enfant qui est malade, c'est totalement prohibé. Tu passes à autre chose. Ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, d'avoir des envies, mais tu ne reconstruis pas les choses de la même manière. Et c'est à ça que j'aspire aujourd'hui. C'est ça qui m'amène aujourd'hui à faire ce que je fais comme je le fais. Et j'ai pris la décision, moi, en tout cas, de vivre de la bourse. C'est une passion ancienne, hein. On pourra revenir dessus si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai créé un environnement autour de moi qui fait que normalement, je devrais réussir à plus jamais avoir un butin de salaire, et c'est mon objectif numéro un aujourd'hui. D'accord. Et pour te sortir de ce problème dont on va dire, je sais pas, on va l'appeler familial, tu as retrouvé un autre emploi ou tu es directement parti comme auto-entrepreneur ou directement dans le trading? Non, pas du tout. Pendant mon divorce, j'ai quitté les emplois qu'il y avait, mais c'était pas le fait du divorce, c'était vraiment ma psychologie par rapport à ma fille qui était vraiment. C'était plus possible, hein. Enfin, faut dire ce qu'il est, quand tu es la tête prise par est-ce que ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que tu te poses la question, évidemment, de ce qu'elle va devenir, tout simplement. Tu laisses tomber et puis tu trouves pas de boulot parce que ton CV est tellement en décalage avec ce que tu recherches. Tu cherches un boulot entre guillemets tranquille. Enfin, il n'y a pas de boulot tranquille, mais tu vois ce que je veux dire. Et avec un CV comme tu as, enfin, les gens comprennent pas. Bah, surtout que les gens Et ils comprennent qu'ils ont peur que tu donnes pas les 100% que tu as, quoi. exactement. J'ai entendu combien de fois des dirigeants me dire, mais vous êtes plus qualifié que moi, quoi. C'est un peu. Donc je pense que c'est des gens qui se disent, oh là là, celui-là, il va me foutre le bordel, il va être un trublion ou autre chose. Donc j'ai eu énormément de mal. Je suis passé par un chômage. Je suis même passé par le RSA, c'est pour te dire. Comme tu as dû entendre, hein, j'ai même eu faim. Donc tu imagines bien que c'était des moments très difficiles. Je suis passé de ça à le moment le plus difficile, et Dieu sait que j'ai du respect pour ces métiers-là, mais je suis passé un jour par la case nettoyer des grilles au Karcher dans une usine d'automobile avec une cote pour me protéger de la flotte alors qu'il faisait 35 degrés, donc tu vois le truc. Et c'est la rencontre d'une personne qui s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et qui m'a permis d'avoir un salaire, mais c'était à peine plus que le SMIC. Et puis, bah voilà, mes compétences, on avait besoin de moi pour faire des choses. Et puis, bah, j'ai reconstruit un petit truc, mais très, très modestement. Et puis, bah voilà, j'ai mené mes affaires personnelles à côté, effectivement, de régler un divorce très compliqué. Et puis après, j'avais déjà en tête l'idée de la suite. Je reste un homme de challenge, un homme d'avenir plus qu'autre chose. Donc voilà. Et c'est ce qui m'a fait tenir, hein, même si les moments les plus noirs ont été vraiment très difficiles. Mais ça crée un personnage certainement atypique. Je sais que mes lecteurs sur ma page Facebook, bon, j'en reçois souvent des petits messages disant, ah, j'aime bien ton style. C'est vrai, je suis assez déconnant. Mais je trouve qu'on peut travailler très sérieusement
tout en faisant un peu de déconnade sur ce qu'on écrit, ou peut-être si demain je fais des vidéos, peut-être aussi sur la façon de s'exprimer. Ça n'empêche pas d'avoir un fond et une qualité de travail essentielle, enfin, bien structurée. Et voilà. Moi, ce qui m'est important à mon goût et à la bourse, c'est ça que j'aime et que j'essaye de transmettre, c'est la vérité. Pour moi, c'est une des valeurs les plus essentielles qui soit, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi ma fille a ce qu'elle a. Tu devines bien que ma sensibilité à la vérité est absolue, quoi. Donc, je me retrouve très bien dans le monde de la bourse où là, c'est qu'un monde de vérité. Et le trading, tu es tombé dedans quand en fait? Quand tu étais étudiant ou Avant. avant? Ah ouais, avant, ouais. Ouais, j'ai commencé. C'est mon père qui allait passer les ordres de bourse, qui allait à la banque passer l'ordre, et puis il attendait que le banquier téléphone, je ne sais plus trop où d'ailleurs, pour passer les ordres. C'était un autre monde. Moi, j'ai même connu les bourses régionales les plus anciens. Toi, peut-être comme moi, en tout cas. Il y avait Moi, j'y connaissais Lyon, la. Moi, il y avait Nantes, il y avait. Lyon, Et moi, je suis dans l'Ouest, hein, donc il y avait Nantes, il y avait Lyon, il devait y avoir Toulouse. Et après, je sais plus trop où est-ce qu'il y avait, mais non, c'était peut-être pas Toulouse, il y avait peut-être Bordeaux. Enfin voilà, j'ai connu ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça en lisant dans ma région, c'est l'Ouest de France, la grande bible journalière. Et à côté de la page des sports, moi je suis un sportif et j'adore le sport, hein, football, vélo, etc. Et juste à côté de la page des sports, tu avais la page de la bourse. Et puis en 86, c'était Balladur au pouvoir. Et puis ils ont fait des privatisations. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Moi je suis rentré pas loin de là aussi. Eurotunnel, c'était ma première, moi. Bah, ça devait être Eh bien. 87, 88, 89, 90, dans ces eaux-là. Pour moi, c'est après 87. Voilà. Et j'ai la première expérience qui m'a fasciné, c'est le crack, le fameux crack, le lundi noir, là, où bah, c'est le record, hein, toujours aujourd'hui, hein, je crois, 22% en une séance. Le crack de 87, d'octobre 87. Et puis, du coup, je m'intéresse, me passionne, je lis ça tous les jours. Et puis, vient le jour du premier trade. Ah, évidemment, c'était pas un trade à ce moment-là. Ça s'appelait j'achète et puis j'investis dans l'avenir. J'étais formidable, j'étais jeune et tout ça. Et j'achète Eurotunnel. Aussi, Donc, ah bah tiens, ouais, comme toi, ouais. beaucoup, Et hein, je gagne. Mon premier trade gagnant, c'était Eurotunnel. Et puis, bah, j'ai fait mon premier trade perdant aussi. Eurotunnel. J'ai acheté la hausse et puis bah, j'ai perdu la baisse. Donc, voilà, j'ai fini en slip sur cette histoire. C'était quelques centaines de francs, mais enfin bon, voilà, c'était ma première expérience de bourse. Et puis, pendant mes études, voilà, j'étais très orienté finance, voilà, sachant que à travers mes études, bah, j'étais très orienté finance d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est assez cohérent finalement avec ce que je mets, ce que tu lis sur ma page et puis un petit peu sur mon Twitter. Parce que je suis d'abord un fondamentaliste. Je prétends savoir un petit peu quand même lire un bilan et comprendre ce qui se passe dans l'entreprise à travers un bilan, parce que c'est un peu le sens de ce que j'ai fait toute ma vie, quoi, professionnellement. Donc voilà, quoi. Et puis après, voilà, j'ai des expériences de trading où j'ai ouvert des comptes bah, dans cette période un peu noire où avec pas beaucoup de choses, avec pas beaucoup d'argent, et puis peut-être pour m'évader, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été des expériences où j'ai tout cramé, quoi. Pas de money management, pas d'analyse technique. Oh, je crois comme beaucoup de traders aujourd'hui qui gagnent leur vie, hein, je suis passé par les. Par les On est tous passés par là, hein. Enfin, moi je viens de faire ma vie, mais ouais. bon. Donc voilà, ça c'est les années 2010, voilà, qui sont pas à noter en termes de performance, puisque voilà, ça tu crames un compte en le temps d'une crise. Je crois que c'était la crise des dettes souveraines qui m'a fait perdre la première fois pas mal d'argent. La souveraine, c'était quand? C'est la Grèce, ça? 2011? Ouais, ça doit être 2011. Peut-être après, ouais, je sais pas, ouais. Ouais, si, parce que Oui, je me oui. souviens d'événements qui font que. Ouais, si, c'est 2011. Donc, tu vois, hein, que les gens qui entendent ça se rassurent, on est tous passés par là. Enfin, pas tous, mais Enfin, 2011, mais je beaucoup me sont. souviens, à la Barclays, si j'amenais des sous à la Barclays, ils me donnaient 10% par an de... Quand j'y repense, on en est loin maintenant. Hein. Il dit, vous amenez de l'argent ici, on vous donne 10%. Hein, c'est pas possible. Ouais, c'était fou, quoi, à l'époque. Ils cherchaient vraiment des sous de partout, quoi.
Ah ouais, mais Barca, ça me parle effectivement. Je crois qu'il m'avait, il nous avait contacté quand j'étais à l'école pour embaucher des commerciaux à Barclays, Oh bah, Toulouse. ouais, enfin moi je suis parti en Espagne, hein. Barclays en fait est une banque d'affaires, sauf en Angleterre, en Espagne et au Portugal. Enfin maintenant ils ont tout fermé. Mais à l'époque c'était simplement une banque d'affaires. Ouais. Et donc le trading, et quand est-ce que tu es passé de trader perdant, comme tout le monde au début, à trader flat ou gagnant, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait... Ça, si tu veux, quand mon divorce a été prononcé, j'ai récupéré une petite somme d'argent et pas tout à fait celle que j'aurais apprécié avoir, mais enfin bon, c'est comme ça. Et je décide de tout larguer, de tout foutre en l'air. C'est-à-dire que je travaillais, voilà, j'avais un boulot sans intérêt, voilà, ça me permettait de manger, hein. Je déménage, je m'entendais super bien avec mon employeur, donc du coup, il me fait une rupture conventionnelle, et je me retrouve au chômage. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux plus faire? Et j'ai pris, et j'invite bien des gens à le faire d'ailleurs, c'est, tu prends une feuille, tu la coupes en deux, tu mets ce que je veux, ce que je veux plus. Et ça peut être des choses très diffuses, mais à la fin, tu écris en tout cas ce que tu ne veux plus, de ce que tu as envie de faire. Et évidemment, ce que tu as envie de faire, bah, faut te donner les moyens de. Donc moi, j'ai construit un projet dans l'idée de dire, voilà, je voudrais faire ce que je n'ai jamais vraiment pu faire finalement de manière sérieuse et structurée. Et je me suis, voilà, la bourse était évidemment apparue à moi. Et j'ai bossé, mais comme un fou, hein, mais. J'ai entendu dire plus d'un trader dire que derrière eux, il y a 10-15 000 heures de boulot, et sincèrement, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux, c'est un travail de fou. Sur 2 années, C'est quoi? j'ai C'est de la fait que. formation ou du test en réel ou du paper trading ou mise au point d'une méthode? Alors, moi, j'ai commencé par lire énormément. Ouais. J'ai beaucoup lu. J'ai lu ce que je trouvais sur Internet. Alors, on a un monde formidable aujourd'hui. On a Google. Y a C'est tout. génial. T'as tout et en même temps t'as le défaut d'avoir tout, c'est que il y a pléthore de choses. Et donc à vrai dire, c'est la première petite pierre peut-être de ce que je fais aujourd'hui avec mes élèves en coaching, c'est que je leur apprends qu'il faut vraiment éliminer tout ce qui est déjà dangereux, mais c'est de se spécialiser. Parce que tu peux trader quasiment tout et n'importe quoi dans ce bas monde. Et tu peux pas mettre la tête à tous les types d'actifs qui puissent exister parce que c'est vraiment humainement impossible. Mais à ce moment-là, je ne sais pas. Et donc je suis passé par une phase d'apprentissage en lecture et de formation. Donc j'ai découvert l'analyse graphique, j'ai découvert bah, tout un tas de choses, la valorisation des actions. Et après, bah, tu tâtonnes. Tu sais pas quel est ton propre profil à toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées ton propre univers de trading et quel est où tu es en aisance. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la stratégie que T'es je... parti d'une feuille blanche ou t'as pris les idées à droite, à gauche, en fait? Alors, si tu veux, en lisant, j'ai construit des premières idées, etc. Et au fur et à mesure de mes lectures, etc., j'ai construit un début d'idée de trading qui était beaucoup basé sur l'analyse graphique. Donc j'étais plutôt bon en analyse graphique, sauf qu'il s'avère que j'étais pas très bon dans l'application. C'est ça le gros Et problème de l'analyse graphique, eh ouais. oui. C'est l'analyse et le trading, il y a vache, c'est deux mondes, ouais. Voilà. Et donc quand j'ai vu ça, je dis ben, il n'y a pas à dire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire. Par contre, des choses sont apparues dans cette vie, voilà, où j'ai échangé avec certaines personnes sur les réseaux. S'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Et les gens me disaient, mais Richard, tu es finalement meilleur conseil que ton propre training. Et ça s'est fait rester dans un coin de ma tête à un moment donné. Et j'avais moi toujours eu envie de former. Et envie d'apprendre aux autres. Je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à aimer transmettre un savoir aux autres. Et puis avoir le goût de ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vais vers ce que je suis en train de faire. Et en plus d'une passion, c'est encore mieux. Et finalement, j'ai construit au fur et à mesure une stratégie dont je connaissais pas du tout le tenant, l'aboutissant, mais elle s'est construite avec des morceaux de puzzle qui se sont additionnés au fil des mois, des mauvaises expériences, etc.
où je me suis rendu compte qu'on pouvait créer son propre univers de trading. Et dans l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider les gens à se créer leur propre univers sans trop vouloir non plus les brider sur faut acheter un breakout ou un support ou autre. Il y a plein de stratégies diverses et variées. Mais de construire une réflexion dans ce qu'ils font pour, quand ils prennent une décision sur le marché, d'être vraiment dans l'idée de ce que je fais aujourd'hui, c'est serein. Je suis convaincu et j'ai la conviction. D'ailleurs, si tu vas sur ma page, tu vois que j'ai mis une petite phrase qui est trader avec vos convictions pour ne plus gagner par hasard. Et ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui gagnent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi cette valeur monte ou cet actif baisse. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'un jour, ça va se casser la figure dans le mauvais sens pour eux et ils sauront encore moins pourquoi ça s'est cassé la figure. Et je trouve ça assez dommage. Donc, moi, je trouve qu'il est important de savoir ce que tu trades et ça a construit au fur et à mesure mon univers de trading. Et aujourd'hui, j'en suis rendu à un point où ça fait depuis, on va dire depuis 3 ans, oui, plus que 3 ans, ouais, presque 4 années où je suis positif. Et mes performances sont de plus en plus positives. C'est-à-dire que je m'améliore et j'ai encore beaucoup à faire pour m'améliorer aujourd'hui. Mais par contre, je suis très. Je suis très serein, quoi. Et ta méthode est basée sur quoi alors? C'est plus Alors, ou moi, moins. j'ai même donné un nom à cette stratégie, hein, mais si tu veux, je peux te la donner en exclusivité. Oui, oui, Vous, les journalistes, vous voulez toujours des exclus. Ouais. Donc, moi, je l'ai appelée la stratégie des poupées russes. Ouais. Alors pourquoi les poupées russes voilà, je pense que tout le monde connaît un peu le système des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et ça représente bien ce que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pars d'un univers général, d'un marché dans lequel je vais éliminer tout ce qui me paraît dangereux, que je ne comprends pas ou qui m'intéresse pas, sur des zones géographiques qui me paraissent plus dynamiques que d'autres. Donc il y en a que je vais éliminer, hein, que je vais garder. Et puis tu descends tranquillement dans les étages de la bourse jusqu'à aller chercher une valeur. Alors effectivement, tu vas passer par des idées de secteur. Quel secteur est plutôt dynamique, est plutôt porteur, est plutôt d'avenir? Il y a ça, le secteur ici, il est moins intéressant. J'élimine. C'est toujours dans la même idée de ce que j'ai vécu quand je faisais de l'overtrading, où j'achetais, je vendais tout et n'importe quoi, c'est que je perdais parce que de toute façon, je ne pouvais pas maîtriser ce que je faisais. Et j'ai donc considéré la première des choses qui m'étaient importantes, c'était de me spécialiser. Donc la stratégie des poupées russes, c'est d'aller tranquillement vers la plus petite poupée et la dernière que tu ouvres, c'est la petite pépite que tu as trouvée, un actif. Alors ça, moi, je suis très action, mais ça peut être parfaitement autre chose. Et d'avoir éliminé tout ton cheminement, d'avoir éliminé toutes les possibilités de risque. Aujourd'hui, par exemple, en plus aujourd'hui, si s'avère que le Covid a un vaccin, les gens qui étaient très basés sur les valeurs Covid, ils ont oublié une chose, c'est que à tout moment, il y avait un risque énorme, c'est l'annonce d'un vaccin. Il se trouve que ça tombe aujourd'hui, mais ça aurait pu être hier, ça aurait pu être demain, ça aurait pu être dans 6 mois. Mais il y avait un risque, donc c'est pas un secteur sur lequel j'étais très positif en soi-même. Même si aujourd'hui je trade à côté, mais en très court terme, mais pas un investisseur. Aujourd'hui, les investisseurs sur le Covid sont en train de se faire découper, quoi. Ah, parce que toi, tu as deux trades, deux portefeuilles en fait. Tu as le portefeuille investissement et le portefeuille trading, si je comprends bien. Alors moi j'ai un PEA et j'ai un compte titre hein, parce que je traite sur différents pays, mais je mets une majorité, je dirais, de valeurs sur lesquelles j'espère, je dis bien j'espère faire un trend following, d'aller suivre une tendance qui s'avère. J'ai quelques titres qui sont en train de le faire, mais souvent c'est du swing hein, parce que tu as un signal qui te fait voir que ta valeur elle est pas encore mûre. Par contre, c'est une valeur que j'ai sélectionnée, ce que je t'expliquais dans ma stratégie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à trouver, entre guillemets, l'an dernier, j'avais une quarantaine de valeurs sur Paris, Bruxelles et Amsterdam. Cette année, j'ai diminué et j'ai augmenté ma zone géographique à l'Allemagne et à l'Italie. Et aujourd'hui, j'ai 25 valeurs sur ces 6 pays. Hein. Enfin, donc, tous les pays qui ont créé l'Europe, hein, France, Belgique,
Donc France, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie, bon, Luxembourg, il n'y a quasiment rien. Je me suis spécialisé sur ces valeurs-là, sur des valeurs croissance Europe, qui plutôt en small, voire en mid. Et j'ai fait un petit indice pour mes lecteurs, quoi, qu'ils aient une vision. Et puis, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce que tu dis parce que, ouais, mais tu dis ça, mais bon, voilà, moi aujourd'hui, ce que j'écris, on peut le tracer. C'est cette volonté de faire voir que c'est la vérité, que c'est pas du pipeau. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, je vais créer un indice. Et puis, j'en ai créé un, puis j'en ai créé deux. Voilà. Et donc, j'essaye de trader ces valeurs-là le maximum, avoir une part de mon portefeuille sur ces valeurs-là. Qui surperforme vraiment très bien le marché depuis 2 ans maintenant. Et puis à côté, bah, évidemment, je joue, c'est pas un jeu, mais je joue aussi l'actualité, hein. C'est sûr que si on prend le cas d'aujourd'hui, si tu ne sors pas des valeurs test et puis que tu ne prends pas un peu, entre autres, Air France, Pierre et Vacances, C'est pas bah, mal. tu as tout faux, quoi, puis tu ne vas pas faire de performance. Mais voilà, donc j'ai une partie effectivement très court-termiste. Court-termiste ne veut pas dire intraday, court-termiste ne veut pas dire swing, c'est je prends un trade, puis je vais bien voir ce qui va vivre. Et puis à côté, j'ai un portefeuille plus cool. Voilà. Il se trouve que c'est plutôt en Allemagne en ce moment où je suis très, très long, parce que l'Allemagne est très porteuse, je trouve, en ce moment. Ces poupées russes, en fait, les choix se font de manière fondamentale ou de manière technique? Ou est-ce que Alors tu là, as une c'est encore. poupée russe fondamentale, une poupée russe technique? Non, Non? non, il n'y a pas de technique dans le choix. Alors, je ne vais pas dévoiler tout ce que j'apprends à mes élèves. Ils pourraient l'expliquer à d'autres. Mais en gros, ce que je leur dis, la première chose que je leur dis, c'est quand tu cherches des valeurs fondamentalement, il y a des outils qui existent, hein, il y a des sites qui sont très bien spécialisés là-dedans. Tu cherches vraiment une typologie bilancielle et commerciale. Qu'est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils ont un client en face? Est-ce qu'il y a un client futur? Évidemment, on est plus dans le futur que dans le présent. Et la structure de coûts qui crée le bénéfice de l'entreprise ou son non-bénéfice d'ailleurs, ça peut arriver. Mais donc, on est vraiment dans une recherche de la boîte qui a des leviers opérationnels qui vont provoquer des accélérations de bénéfices. Bon, là, je rentre peut-être un peu trop dans le détail pour certains qui comprennent peut-être plus, mais aujourd'hui, tout le travail que je fais et que j'essaye de donner à ces gens-là qui me demandent de dire, bah, explique-moi comment tu fais pour trouver cette valeur, parce que j'en ai quand même des belles qui sont sorties, quoi, et que personne ne voyait. Et donc, j'essaie de leur faire comprendre, surtout, tu regardes pas le graphe. Tu vas trouver des noms d'une typologie bilancielle et de structuration de coûts qui fait que ces gens-là, s'ils arrivent à gagner un marché, ils vont se retrouver avec une accélération de bénéfices, hein, qui fait que le marché va acheter. Et aujourd'hui, une fois qu'on a vu les entreprises en question, on va aller attendre les signaux techniques ou les news ou un support et puis parfois des invalidations parce que parfois le marché n'est pas d'accord avec toi ou en tout cas il ne l'est pas encore. Mais tu es d'abord dans une recherche fondamentale de. Mais pourquoi cette boîte-là, elle va exploser et pourquoi elle va pas le faire? Et il se trouve que là, j'ai vraiment associé mes compétences scolaires, parce que moi, je suis quasiment expert comptable finalement, et mon expérience de vie. Hein, sauver des boîtes, tu devines bien qu'on lit les chiffres à tort et à travers, et puis on rencontre ses banquiers et on leur explique plein de choses. Hein, tu vois ce que je veux dire? On ne redit pas toujours la vérité, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de sauver l'entreprise et les emplois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à être quelqu'un de. Bah, je me suis dit, quand je naviguais un peu à vue dans les marchés où je perdais, hein, finalement, je me suis dit, mais c'est quoi tes forces? Et finalement, il faut revenir à la base. Et chacun devrait dire, mais c'est quoi mes forces? Et moi, ma force, c'est de lire un bilan et d'être capable de lire à travers un bilan, un développement et puis C'est des très très rapports de gestion, important de ce que voir tu dis une. là. C'est quoi tes forces? C'est ça, c'est la question que devrait se poser tout débutant. C'est quoi tes forces? Exactement, quels sont tes points de qualité? Il y en a qui vont dire, bah, moi, je n'y connais rien dans la comptabilité, pas de problème. Mais j'ai 6 élèves qui ont des profils totalement différents et c'est assez formidable. J'ai cette chance-là d'avoir des gens très différents et je me rends compte qu'ils ont chacun une force. Il y en a un qui, on sent, il est patient,
La notion de patience dans le trading, elle est très importante. Il va pouvoir attendre que sa conviction donne un signal intéressant. Il peut attendre des mois, on peut attendre des années. Waouh. Il y a des gens qui ont d'autres qualités et il faut exploiter ces qualités. Et tu découvriras, alors toi tu le sais, je pense que tu as assez d'années de trading derrière toi, mais tu te rends compte que finalement, quand tu exploites tes qualités, bah, tu excelles. Et la bourse, c'est un truc génial, c'est que quelles que soient tes qualités, tu vas trouver ton type de trading. Et moi, je propose aujourd'hui de s'appuyer sur une de mes qualités, qui est la lecture de ce que fait une entreprise, d'un rapport de gestion, et de le décortiquer. Ça m'arrive de me tromper, mais à force de lire, de comprendre, de lire un petit peu la façon dont les directeurs financiers écrivent les choses, et puis je comprends ce qu'ils racontent, entre guillemets, bah tu fais de moins en moins d'erreurs. Et je trouve des dossiers... vraiment super intéressant quoi. Après, bah, il faut trouver le moment où on rentre, il faut que le marché soit avec toi, il y a tout un tas de choses autour de toi, et ça fait partie du money management, ça fait partie de ta gestion globale de ton portefeuille. Et moi, je trouve que, et je suis loin d'être abouti, hein, je suis très modeste déjà en portefeuille, je dirais en valeur monétaire, puisque bah, tu as bien compris que je suis reparti de zéro il y a peu de temps. Mais je reconstruis un petit patrimoine Qui qui devrait être assez sympathique ouais. si ça continue comme ça. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que ma performance s'éloigne de plus en plus des indices. Donc, je m'éloigne des indices, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je dois être à plus 35 sur l'année, ou le CAC, il est. Alors, tant ce matin, il était à moins Ouais. 17, ce soir, il sera Il est peut-être à à moins plus 10. 20, ouais. Ouais. Ah, parce que pour dire aux auditeurs, on enregistre en fait une heure après l'annonce du vaccin. Hein. C'est pour ça Du que. vaccin Pfizer, ouais. Ouais. Donc d'ailleurs, on aurait pu annuler parce que franchement, ça a bougé méchamment Ouais. ce matin sur les. Enfin non, pas ce matin. Moi, j'ai vu l'annonce à 12h46. Hein, donc Ouais. Moi, j'étais chez le dentiste. C'est mon heure de dentiste qui m'a coûté le plus cher de. Enfin, bon, on n'en parle pas. Oui, parle beaucoup. Hein. comment t'es venu l'idée ou de mettre ça sur Facebook ou sur Twitter et est-ce que ça a été un besoin ou une envie ou une stratégie ou je sais pas. Eh bien, c'est un peu tout ça. Ouais. Eh, très bonne question, à vrai Ouais, dire. C'est merci. peut-être même la meilleure de toutes. C'est certainement la meilleure. Parce que elle est la créatrice. Alors, la meilleure de toutes, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que le début de ma réussite dans les trades, hein, enfin dans l'évolution de mon portefeuille, et enfin, je me mets à gagner régulièrement et continuellement, c'est mes fameux collègues traders qui me disent, mais Richard, tes meilleurs conseils que pour toi-même, quoi. Enfin, voilà. Et je me dis, mais putain, mais c'est vrai, ils ont raison. Quand ils tiennent des positions, ils les tiennent longtemps. Et je leur dis, maintenant, bah, pourquoi tu vends? Ça monte. Voilà. Et je me dis, mais stratégie pour gagner, pour réussir, enfin, pour enfin m'y mettre. Je me dis, mais comment je peux faire? Parce que si je peux être conseiller, je suis meilleur conseiller, comment je fais pour moi? Et du coup, je me suis inventé un scénario totalement bizarre, mais que vous allez comprendre à la fin. C'est que en mettant sur Facebook, en créant La Bourse, il y en a qui ont essayé, qui est d'ailleurs un nom assez révélateur, j'essaye, mais je suis pas sûr d'y arriver. Et c'était moi le premier lecteur ma propre page. C'était l'idée de dire, bah, puisque je le transmets en vérité totale sur les réseaux, il y a des gens qui me lisent, et je vais me transformer en espèce de lecteur de moi-même, de conseiller pour moi-même. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à gagner. C'est-à-dire que le fait de mettre la pression sur qu'est-ce que je prends comme décision parce que je vais être lu, pour pas avoir honte, Ouais. ben je me suis retenu plus d'une fois à dire non, non, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, là, ça sert à rien, enfin, c'est de l'overtrading, c'est t'achètes un couteau qui tombe, enfin, toutes ces histoires qu'on connaît tous maintenant. Mais je me suis acheté un comportement et je me suis acheté un money management et à travers le fait que je mettais tout. Et à vrai dire, ça a plu. Le fait que tu mettes tout, mais strictement tout, sur ce que tu fais, bah, j'ai eu mon petit public qui s'est mis en place. Alors voilà, c'est peut-être 100 ou 200 personnes qui regardaient ça. Hein, mais aujourd'hui, bah, je suis rendu à 1500 et puis Sur ça Facebook, hein, augmente. pas sur Twitter, hein, c'est beaucoup. Ouais, sur Facebook, ouais, tout à fait. Et Ouais. du coup, les gens me disaient, mais et si tu veux, l'idée était peut-être de me dire, bah, peut-être que je vais créer quelque chose un jour, mais je ne savais pas quoi. Et je n'avais pas envie, si tu reviens à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure de ma vie, moi j'ai plus envie de me prendre la tête, des projets, construire quelque chose, je pense que je peux y arriver,
Mais j'ai plus envie de passer mes nuits à stresser de ceci ou de cela. Mais c'est mes lecteurs qui m'ont lentement dit, mais apprends-moi, quoi. C'est vraiment bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais. Alors, c'était une personne comme ci, une personne comme ça, c'est devenu assez régulier, quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de dire, bon, bah, je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose. Et ça s'est formalisé dans l'idée, bah ouais, créer une formation, c'est bien gentil, mais enfin, quand je vois ce que font les autres, c'est quand même assez impressionnant. Et puis moi, j'ai rien écrit, enfin voilà. Donc aujourd'hui, j'ai lancé ça avec des élèves un peu cobayes, hein, ils le savent, et, on travaille ensemble, et je leur apprends tout ce que j'ai dans le ventre. Et puis eux, ils me renvoient, ah tiens, t'as pas parlé de ci, donc ils me bougent les trous de ce que j'ai oublié de dire, ou voilà. Et je suis en train de construire à côté de ça. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais en tout cas, la fameuse stratégie des poupées russes dont je t'ai parlé, et puis je suis en train d'écrire peut-être un livre ou peut-être un récit, peut-être qu'il y aura une chaîne YouTube à un moment donné. Alors, ça, il commence à venir dans ma tête, hein, ça, c'est peut-être à venir, et puis peut-être un site internet, Ah, tu je ne vois sais quand même à pas. long terme, ouais, c'est-à-dire, ouais. J'ai... On voit le fond de l'entrepreneur, quoi. Eh ben Ouais. bah oui, tu ne te refais pas, hein, Ouais. Ouais, moi c'est pareil, hein. Moi j'ai monté ça pour rigoler au début, et puis maintenant, Et puis, t'es un peu même, pris dans l'engrenage. tu te prends au Ouais. jeu, quoi, tu te piques. Ouais. Et c'est passionnant, hein. C'est génial parce que, contrairement à tout ce que j'ai fait avant où j'étais dans des cadres, etc., là, j'écris ce que je veux, quoi. C'est-à-dire que si demain je te dis, j'ai fait une chaîne YouTube, je m'éclate, elle continuera. Et puis, si je te dis, bah, mon Facebook, j'en ai marre, ça me saoule, je le fais plus. Tout pareil. Je suis seul maître de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai envie de faire. La seule chose qui m'est importante, et c'est là où mon côté sensible, ma vie, mon histoire de vie fait que je suis quand même un homme avec une sensibilité importante. Moi, j'ai besoin que les gens apprécient ce que je fais. Alors, je ne demande pas qu'ils me fassent des bisous parce que parce que j'en demande, mais je prends un plaisir fou à voir des gens Pareil. me dire, tiens, j'ai ça dans mon portefeuille. Et puis quand je lis ce qu'ils ont dans leur portefeuille, bah, il y a 3 ou 4, c'est parce que j'en ai parlé, quoi. Et qu'ils ont été convaincus de ce que j'écris. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça donnera demain. Peut-être que ce sera des vidéos, je ne sais pas. En tout D'accord. cas, c'est génial à faire et j'invite tout le monde à faire ce qu'il a envie de faire. S'il fait du macramé ou je sais pas, ou s'il vend des poteries ou je ne sais pas quoi, faites-le, quoi. C'est kiffant et j'ai l'impression d'avoir 20 ans alors que mes artères me rappellent que je les ai plus. En revenant un peu sur ton coaching, tu n'as pas peur que ton coaching, parce qu'en fait, ta vraie passion, c'est le trading. Tu n'as pas peur que ton coaching te prenne du temps sur ton trading et en fait que tu perdes ta passion pour le trading et que le coaching commence à t'embêter, quoi. Bah, si tu veux, déjà, le coaching, pour moi, c'est de la formation. Je te disais que j'avais pris un goût, je ne vais pas tout raconter toute ma vie, mais j'ai pris un goût à former les gens, à transmettre le savoir. Et on m'a souvent dit que j'avais plutôt une bonne qualité d'apprentissage auprès des autres. Donc, j'y prends plaisir. Deuxièmement, le trading, tu sais, les écrans à longueur de journée, enfin, je sais pas toi, je vais le dire, hein, tu sais bien, ça fatigue. Et finalement, tu sais, on peut adapter son trading à son rythme de vie. Moi, les gens que je forme sont tous des gens qui travaillent ou qui ont une activité étudiante ou autre. Donc, l'idée que vendent certains, et qui est très bonne d'ailleurs, de dire, voilà, vous regardez que les graphes en clôture soir, après séance, pour pas être dans l'émotion. Franchement, c'est une bonne approche. Donc, si tu veux, moi, j'adapte par rapport à ce temps-là. Mais clairement, aujourd'hui, oui, la question, c'est comment je gère mon envie de former, mon envie de trader, mon envie de construire une étape suivante. Bah, faut que je trouve un équilibre. Il y a des. Alors, d'ailleurs, dans le monde du travail, j'ai toujours expliqué aux gens, il y a des moments faibles, il y a des moments forts. Il y a des moments. C'est comme dans un match de football. Je sais pas si tu te passionnes pour le foot, mais il y a des moments où faut éviter de prendre un but et puis de perdre. Et puis il y a des moments, c'est là où tu vas scorer. Et à vrai dire, dans les marchés financiers, c'est parfaitement ça. Il y a des moments où faut être présent. Il y a des moments où faut être absent. Ça sert à rien d'être présent. Et d'ailleurs, c'est souvent ça que j'ai le plus de mal à faire, c'est d'être absent. Ça sert à rien d'être présent sur un marché qui ne donne rien. Et c'est des moments où tu peux construire autre chose. Par exemple, écrire cette fameuse formation dont je te parlais, ou d'écrire ou de faire des vidéos qui simplifient certains sujets qui sont pas spécialement avec de la plus-value quand tu fais un coaching.
C'est un équilibre comme tu as dans ton monde d'entrepreneur, hein, entre j'ai une partie commerce, j'ai une partie gestion des salariés, j'ai une partie faire les factures, enfin tu vois bien, hein, l'administratif, aller voir ton banquier. Et c'est un équilibre d'entrepreneur. Donc bah, je fais avec. Je ne sais pas trop ce que j'écris comme histoire sur ce sujet-là, mais moi, il y a un équilibre là. J'ai peut-être un peu pris trop d'élèves et puis je leur consacre beaucoup d'énergie parce que évidemment, bah, je débute. Mais ça va se rééquilibrer. Je suis déjà dans l'objectif d'équilibrer les choses. Est-ce que Je sais, je. le trading, c'est une fin ou c'est un moyen pour arriver au coaching en fait? Est-ce que tu t'aperçois que tu préfères trader ou tu préfères coacher? Ah, si je devais éliminer un des deux, j'avais pas le choix, j'éliminerais le coaching parce que le coaching n'est que la transmission de ce que je fais sur les marchés. Et ça fait déjà maintenant comme très longtemps que je fais ça sur les marchés, enfin en tout cas à mon goût. Et j'ai toujours l'œil qui brille, quoi. Le coaching n'est que la conséquence. L'idée pour moi, c'est de construire quelque chose. Je ne sais pas quelle forme ça prend. Hein, ça fait plusieurs fois que je te le dis. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Ce sera un site, une petite ou un truc très modeste, j'en sais rien. Ou carrément devenir le je sais pas quoi. Mais ce que je sais, c'est que j'avance, c'est que j'ai toujours cette envie d'entreprendre et de créer, etc. Donc je vais vers cet environnement sans trop me poser de questions, à vrai dire. À vrai dire, c'est les gens. Après, moi, j'ai été longtemps commercial aussi. Hein. Je me suis rendu compte que tu vendais qu'à des gens qui voulaient t'acheter. Et à vrai dire, l'étape que je vis aujourd'hui, c'est une demande des gens. Et l'étape suivante. Bah, à mon avis, ce sera juste parce que j'aurais écouté ces gens-là et qui m'auraient dit, mais on a besoin que tu fasses ci, on aimerait bien que tu nous donnes ça. Et finalement, quand tu écoutes ce qu'on te demande, bah, tu as déjà les réponses à toutes tes questions. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer aux gens? Bah, et à vrai dire, ils te le disent. Donc, je verrai bien. Et puis, si un jour j'en ai marre, je ferai autre chose. Mais le trading, je crois que je le lâcherai jamais. Peut-être, peut-être pas. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ta méthode. Comment tu choisis une valeur? Parce qu'elle est pas chère ou parce qu'elle a beaucoup de perspectives? Les Value ou deux, growth? docteur, les deux. Les deux? Ah bah oui. D'accord. Mais la notion de pas cher, c'est très relatif en bourse. C'est très, très Parce que David relatif. Renan, lui, pour lui, pas cher, il calcule le PER, il calcule la valeur d'entreprise sur le ROC, enfin tout ça, quoi. Ouais, j'ai vu ce qu'il faisait. C'est super intéressant d'ailleurs. C'est marrant parce que lui, il fait du fondamental. Et moi, j'ai pas du tout la même approche que lui. Ah, d'accord. Et pas du tout, du tout. Bah, Moi, explique-nous je un peu m'intéresse alors. énormément aux coûts variables et aux coûts fixes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être schématique, mais quand tu es dans le monde de l'Internet, il n'y a pas de coûts fixes. Tu as, entre guillemets, un ordinateur, Un enfin, tu loyer, peux ouais. quasiment créer une boîte avec un ordinateur et puis une connexion Internet. Et tout ce que tu vends, bah, il n'y a quasiment pas de charge en face. Donc là, il n'y a pas de coûts fixes. Et par contre, tu as des entreprises qui ont des coûts fixes gigantesques. Enfin, je ne veux pas revenir sur un dossier où c'est un peu épineux avec certains sur Internet, mais moi je pense que Total, c'est exactement l'inverse. Une raffinerie, ça ne coûte pas 500 balles, quoi. Et pour avoir travaillé dans des domaines industriels, je sais que c'est gigantesque la valeur d'une usine. Et aujourd'hui, ça, ce sont des coûts quand tu diminues légèrement ton activité de l'entreprise pour des raisons diverses. Le Covid n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tu te retrouves avec une usine qui est là et qu'il faut payer. Et aujourd'hui, la notion de cher, pas cher, c'est en fonction aussi d'une structure de coûts dans le bilan, comment les masses d'argent sont réparties, et ça dépend de certains secteurs. Et aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont. Mais, il faut se rappeler pourquoi des gens comme Google ou même Netflix, etc., performent en bourse, même si Netflix, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est des structures de coûts. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ces gens-là ont ce qu'on appelle un seuil de rentabilité qui est tellement bas, ça crache. Et à vrai dire, les gens, quand je les forme souvent, me disent, mais non, on va pas trouver des nouveaux Google. Bah, je dis, non, on va pas trouver de nouveaux Google. Par contre, on va trouver des structurations de coûts qui sont intéressantes. Et une fois que tu as la notion de coût, de comment est structuré le coût d'un produit, d'un service qui est rendu, tu vas essayer de voir s'il y a une dynamique commerciale.
Et évidemment qu'aujourd'hui, si tu vends, alors je vais être méchant avec eux, mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'ils ont dominé le monde. Mais les gens du pétrole, quel est l'avenir du pétrole aujourd'hui? Je vois pas la dynamique, hein. C'est tout, ça s'arrête là. J'ai rien contre eux. On vit tous du pétrole, on fait tous un plein d'essence tous les jours, mais j'ai rien contre le pétrole. Simplement, aujourd'hui, la dynamique commerciale, l'envie, qu'est-ce que veulent les gouvernements? On a Biden qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire des nouvelles raffineries? Ou est-ce qu'il va faire Éolienne. des éoliennes et des panneaux photovoltaïques? Aujourd'hui, la dynamique commerciale dans ce type de produit-là, elle est vers ça. Et donc, si tu trouves une entreprise qui, un, a un coût, avec une structure de coût qui est en correspondance avec ce que j'ai dit, et en plus un marché qui est porteur et qui va t'emmener vers l'avenir, on se retrouve avec des accélérateurs de marge phénoménaux et sans avoir une structure supplémentaire à mettre en place. Et là, tu trouves des pépites gigantesques. Je vais en citer, mais peut-être pas l'objectif, mais en Allemagne, j'ai trouvé deux boîtes extraordinaires dans un domaine dont on ne fait même pas attention, nous, les financiers. C'est notre propre domaine à nous. Aujourd'hui, il y a Flatex, qui est quand même le patron, enfin, qui possède DEGIRO, même si je sais que DEGIRO, il y a Moi, certains, voilà. j'y suis très content, hein, donc bon. Bon, oui, mais j'ai vu qu'il y a Mickaël Landreau qui était pas toujours content l'autre jour. Mais Flatex possède cette boîte-là. Aujourd'hui, les accélérateurs de chiffre d'affaires dans ce métier-là sont énormes. Enfin, moi, je reprends un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a 1 million de comptes qui ont été ouverts dans le domaine pas du trading, mais de comptes titres ou de PEA qui ont été ouverts. Ça veut dire qu'en France, hein, 600% hein, de hausse en 160 ou 600% de hausse de mars 2018 à mars 2019. ouais, et là, 19, 19 à 20, pardon. là, tu as clairement une dynamique commerciale, il y a un client potentiel, et en face, tu as des offres diverses et variées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Flatex, c'est une entreprise qui a une proposition commerciale avec des accélérateurs de marge et de bénéfices potentiels, et qui sont énormes. Et il se trouve qu'il est en train de réaliser. Et si vous regardez le cours de Flatex, mais c'est de la folie. Et c'est pas fini. À mon goût, c'est pas fini. Alors, on pourrait me dire c'est cher. Oui, c'est peut-être cher, mais ça va encore monter. Enfin, on va pas refaire le coup des GAFA. Hein. Ça monte sans arrêt depuis des années. Et j'ai une deuxième valeur, c'est que j'ai parlé ce week-end sur ma page, qui est Wall Street Online, qui elle, une sorte de zone bourse allemand. Et franchement, ils sont en train de vendre des abonnements maintenant qu'ils ne vendaient pas. Donc, je te laisse imaginer. Ils ont une structure qui existe. Et maintenant, ils font payer. Ils faisaient pas payer. D'ailleurs, Zone Bourse fait pareil. Je te laisse voir l'accélérateur sur le bénéfice de l'entreprise. C'est gigantesque. Et aujourd'hui, des valeurs comme ça à trouver, c'est effectivement pas cher. Bah, il y a une méthode. Il y a des méthodes, hein, pour trouver, mais je peux pas dire c'est le PER ou c'est la valorisation par rapport à l'actif ou c'est le CAPEX ou c'est autre chose parce que c'est une addition de choses qui fait que tu as les éléments où tu vas sentir, tu dis, oh là là, celui-là, s'il fait un chiffre d'affaires supplémentaire, est-ce qu'il a besoin de machines en plus? Il a besoin de bâtiments en plus? La réponse, elle est non. Oh là là, là, c'est intéressant. Et après, il faut qu'il ait la dynamique commerciale. Donc, voilà, et tu en as plein en Europe. Moi, je sais que l'an dernier, j'ai été mais complètement fou dingue des valeurs hollandaises. J'ai deux dossiers qui, bien avant qu'ils accélèrent et bien avant qu'ils montent, dont je parlais, c'était Alphen, qui fait de l'électricité, qui fait de l'installation électrique, et Adyen. Mais quand j'ai vu les chiffres d'Adyen, mais j'étais affolé. Plus de 60% de marge brute et 55% de marge nette. Ces gens-là, dès qu'ils font 1 euro de chiffre d'affaires supplémentaire, c'est quasiment que du bénéfice. Adyen. Et aujourd'hui, elle est à 1500 euros. Moi, j'en parlais, elle était à 700. Et donc, tu as plein de valeurs comme ça qui traînent dans les marchés européens. Et ben, mon petit indice là que j'ai créé, puis je m'amuse à mettre à jour toutes les semaines, ben, il se retrouve à être, il fait comme le Nasdaq, quoi. Avec que de la valeur européenne. Donc, la notion de prix. Est-ce que c'est cher ou pas est relative à la dynamique future. Et c'est pas toujours facile de trouver, c'est pas toujours gagnant, mais il y a plein de choses intéressantes. Et ces valeurs, tu les trouves en scannant toutes les valeurs du marché, en fait. Enfin, non, en descendant, enfin les poupées russes, quoi. En descendant. Voilà. Bah, c'est-à-dire aujourd'hui, moi je suis sur un marché Europe de l'Ouest parce que je crois pas en l'Europe de l'Est.
Et les USA, Tu t'as pas parles. regardé encore, enfin, ou tu ne veux pas Oui, par. regarder. Alors, il y a aussi une notion gestion familiale. À un moment donné, j'ai envie de dormir, puis j'ai envie de profiter un petit peu de ma famille. Puis comme j'aime bien être collé aux écrans, je te cache pas qu'une clôture à 17h30, ça me va bien, quoi. Là aussi, c'est une gestion de soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Je reviens sur ma petite feuille. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie? Qu'est-ce que je veux conserver, qu'est-ce que j'accepte de perdre? Et ça, bah, finalement, je trouve que c'est pas mal d'être sur ces marchés-là. Donc, les États-Unis, c'est plus par rapport à un fuseau horaire que ça m'ennuie. Et puis, ça reste un marché dangereux pour les nouveaux. Moi, je ne comprends pas des jeunes traders qui vont sur les States. C'est ultra dangereux, quoi. Enfin, tout est démultiplié. Sachant qu'en Europe, en plus, on a discuté quand on avait échangé l'autre fois, toi et moi, je trouve que le marché européen est en train de s'américaniser. Il y a des violences dans les coups. Dans les cours, qui, enfin, on peut se faire. Enfin, les gens qui espèrent faire des fortunes, ils peuvent le faire en Europe. Ils Oui, peuvent c'est ce vraiment qu'on le faire en Europe. je rebondis là-dessus, c'est ce qu'on disait, parce que toi tu dis qu'on arrive dans au début d'une bulle de small, c'est ça? Actuellement? Ouais. Ah non. Ah non, non. Pour moi, on est au début d'un marché haussier Ouais. sur les smalls qui va démarrer à un moment donné. À un moment donné, il faut quand même pas oublier que CAC small et CAC mid and small est en négatif sur 3 ans. On est en baisse continuelle. Enfin, tu prends un graphique long terme sur le CAC small, c'est moi je considère que c'est une performance. Alors, il y a des gens qui ça va faire sourire, mais j'ai dû faire. Je dois être à 150% en 3 ans, donc c'est pas très fort, hein, mais j'ai eu des moments de baisse aussi. Et sur un marché baissier, on est sur un marché baissier sur les smalls, et on arrive à faire des choses formidables. Et moi, je suis des gens sur Twitter qui font des performances de fou. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher les États-Unis. Ma stratégie qui réduit tranquillement, qui te rend spécialiste, je me suis rendu compte que tu gagnes plus à suivre des valeurs que tu crois, puis pendant 2 ans, elles bougent pas, et puis à un moment donné, là, j'y vais. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise. Tu peux pas faire ça sur des marchés trop, trop, trop grands, c'est pas possible. Par contre, il faut les sélectionner. Aujourd'hui, je suis en train de sortir de l'Italie. Parce que j'ai pensé fin 2019 que l'Italie allait être très porteuse. Alors, de toute façon, le Covid n'était pas là. Hein. Aujourd'hui, j'arrête de regarder l'Italie. J'ai juste une valeur qui m'est restée dans les pépites, c'est WIT, qui est une valeur extraordinaire, qui est inconnue par les gens. Et je quitte l'Italie parce que quand tu vois le PIB italien, la dette italienne, enfin, on est en train de construire une nouvelle Grèce. Hein. Dans Et l'Espagne, c'est faut se pareil, hein. rappeler. Faut se rappeler de ce qu'a fait l'indice grec pendant la crise grecque. Ça a été une boucherie, quoi. Donc ça, c'est des marchés dangereux, mais on a plein de choses intéressantes. Du coup, moi, quittant l'Italie, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a comme pays que je pourrais chercher qui est intéressant? Et bah, évidemment, je suis allé vers la Suède que je connais pas du tout, mais c'est mon futur Eldorado. Et finalement, tu en trouves plein en Europe. Tu en trouves plein en Europe. T'as pas besoin d'aller loin. J'adorerais faire l'Espagne, toi qui vis là-bas. Mais l'Espagne, c'est une catastrophe. Les indices sont catastrophiques, l'économie va très mal. Alors peut-être que ça va rebondir aujourd'hui, mais j'ai pas les éléments fondamentaux du pays qui me font donner envie d'aller appliquer ma méthode en Italie, en Espagne ou en Italie. Donc du coup, je m'en vais, je vais voir là où des pays me semblent plus porteurs. Et aujourd'hui, l'Allemagne, ça va bien. Quand tu regardes le DAX, tu vois bien que c'est cohérent par rapport à ce que je dis. Et du coup, j'ai des valeurs allemandes, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mais faut-il aller chercher et faut-il avoir une méthode pour aller chercher ces valeurs-là et une fois qu'elle est en route, tu peux vraiment t'éclater. Et je reviens un peu au début de notre interview, tu as dit que tu avais laissé tomber les indices et le forex. Pourquoi? Parce que c'est trop technique ou parce que c'est pas du tout fondamental? Le forex, quand même, c'est un peu la balance financière entre deux pays, non? Oui, mais si je prends le cas d'une monnaie, on va prendre le cas. Qu'est-ce que je pourrais t'inventer comme cas, un cas un peu tordu. Donc, tu vas trader le dollar canadien contre la livre sterling. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe proportionnellement entre les Anglais et les Canadiens dans leurs économies?
Moi, personnellement, c'est réservé à des spécialistes. Pour moi, c'est réservé à des gens qui connaissent vraiment les systèmes économiques, économétriques, etc. J'entends des gens sur ta chaîne, hein, notamment, qui sont vraiment très forts sur ces sujets-là. Et pour moi, on subit sur ces marchés-là des news dont la compréhension est vraiment, vraiment difficile. Et après, c'est mon avis, hein. C'est pas parce que j'ai fait des études de finance que je sais tout, que je comprends tout, puis j'ai pas d'affinité avec ça. Mais ceux qui en ont, bah, faites-le, allez-y, hein. Ça fait un peu partie de cette stratégie. Je me spécialise sur quelque chose. Il y a plusieurs éléments qui me font dire qu'il faut pas aller sur ça. C'est que moi, je dis à des gens tout simples qui disent, tiens, je vais mettre un peu de sous sur la bourse, puis ils s'y intéressent. Qu'est-ce que tu comprends le mieux entre une entreprise ou même toi qui vends un produit sur le bon coin? Tu leur vends la notion de valeur financière d'une entreprise quelconque, c'est j'achète 10, je leur vends 15. Est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent? Bah oui, elle a gagné 5. Eh ben voilà, tu as déjà compris quelque chose dans l'entreprise. Maintenant, une monnaie monte Ah par ouais? rapport à une autre. Est-ce que tu as compris pourquoi? J'ai toujours pas compris, moi. Eh ben, on Quoi? comprend rien. Et je vais dire une phrase que tu connais par cœur et que peut-être d'autres ont dit sur ta chaîne bien avant moi, mais trader, que ce que vous comprenez. Et aujourd'hui, dans ma formation, je mets une phrase à un moment donné, je dis, tu vois, celle-là, je me rappelle. Mais si vous comprenez pourquoi si vous comprenez pourquoi votre boulanger a une queue le dimanche matin de plus en plus longue, ben, si vous comprenez ça, c'est que vous êtes capable de trader des actions, parce que vous comprenez qu'il y a une dynamique commerciale qui amène les gens à acheter son pain, parce que lui fait un bon pain, la boulangère est souriante, il y a une devanture intéressante, ils servent vite, enfin, tu as plein de notions autour de ça, qui ne sont simplement que ce que font les entreprises qui progressent sur les marchés boursiers. Elle a un produit intéressant, elle sert bien ses clients, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de non-qualité. Et finalement, quand tu comprends ce que fait ton boulanger, bah, tu comprends ce que fait une action. Et bah, moi, Forex, je comprends. Enfin, j'ai essayé de comprendre, hein. Je me suis fait découper. Ouais, c'est ou alors, faut vraiment faire abstraction de tout et puis faire du graphe. Voilà. Voilà, et c'est pas mon caractère. Je suis pas un grand analyste graphique. Et puis, il y a un dernier élément quand même que j'ai envie de dire à ces gens-là qui trade, parce que des fois, ils laissent de l'overweek, hein. Ils laissent leur position en week-end. Je rappelle à tout le monde que la plupart des décisions qui influent sur ces marchés-là sont des décisions de week-end. Et tu as ton marché qui ferme le vendredi soir, il rouvre le dimanche soir, et entre deux, tu fais ta prière, hein. Et enfin, je voudrais pas dire, mais je pense que tu me parles on parle de monnaie, mais je peux parler de matières premières. Ceux qui ont shorté le pétrole juste avant l'attentat au drone sur l'Afrique, c'était où? C'était en Arabie Saoudite. Le gap qu'on s'est pris le dimanche soir était gigantesque. Il y a des gens ce jour-là, hein, bon, je sais pas lesquels, j'en ai pas entendu parler, mais il y a des gens qui ont perdu tout leur argent ce soir-là, quoi. Tout ça parce qu'un drone a été faire péter une bombe. Il y a des marchés qui sont structurellement dangereux. Il suffit d'une fois, une fois, et t'es lessivé. La bourse n'arrête jamais, le capital, on n'en a qu'un. Faire Ouais. attention. Faut pas oublier que nous sommes juste des ouvriers avec une caisse à outils. Si tu jettes ta caisse à outils par-dessus bord, il te reste quoi pour travailler? Et notre caisse à outils, c'est notre compte. Donc d'abord protéger son compte. D'abord protéger son compte. Et pour protéger ton compte, t'as un money management spécial, toi, ou pas? Tu diversifies le risque, ou Non, je tu pense pas rentres avoir un money. plusieurs fois, ou t'as des niveaux de rentrée, ou... Bah moi j'ai tendance quand je suis en perte sur une valeur, ça peut arriver, tu sais, ça, tu joues un support, puis pouf, ça va chercher plus bas. J'ai tendance à. Je peux remettre une fois. Une fois, jouer le rebond. Et d'ailleurs, fonction de ce qui se passe sur la valeur et pourquoi elle a fait ça, de revendre au prix d'achat initial et puis je fais une petite plus-value au passage. Mais par contre, si elle fait une deuxième jambe de baisse et elle attaque une deuxième jambe de baisse, là, je sors en moins-value. Je sors. Et d'ailleurs, quelque part, le trading, les gens parlent tous, oui, alors quand ça fait plus 5, tu vends la moitié. Ouais, tout ça, il y a plein de stratégies diverses et variées. Enfin, faut l'adapter aussi à la volatilité du titre. Mais on n'explique jamais trop comment faire pour gérer une valeur en perte. Et il faudrait peut-être plutôt qu'on apprenne ça à nos élèves en premier, c'est comment gérer une situation qui ne s'est pas goupillée comme on veut.
Et voilà, bon, voilà ce que je fais. Mais après, tu sais, les gens, ils font comme ils veulent. Ce qui est important, c'est d'être serein par rapport à ton choix. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent assumer moins 10, d'autres qui peuvent assumer moins 5. Moi, j'assume des moins 15, moins 20, moins 15, moins 20, parce que j'ai aussi des plus 15, plus 20 à côté. Tant que je fais moitié de l'un, moitié de l'autre, bah, je gagne pas. Et voilà. Mais après, il y a aussi la quantité d'argent que tu mets sur la valeur. Et ce qui m'est important, et tu vas voir que ça rejoint, c'est quand même une imbrication de plein de choses, c'est que quand tu prends une valeur et que tu mets une certaine quantité d'argent, parce que tu peux mettre une quantité d'argent, bah moi, il faut savoir que j'ai un money management aussi sur cette quantité d'argent que je mets sur un trade et par rapport à une certaine sérénité que j'ai sur le dossier. Et c'est pour ça que je cherche les fondamentaux d'abord, parce que quand je vais rentrer, tiens, ce matin, je suis rentré sur Katana, je sais pertinemment que Katana, c'est au niveau des… Il y a Fontaine Pajot, il y en a d'autres, il y a Beneteau, et j'ai discuté avec des gars sur la différence entre Katana et Beneteau. Je leur ai dit très simplement, Beneteau, c'est une valeur qui baisse depuis beaucoup, bien avant le Covid, Katana ne fait que subir le Covid. Donc aujourd'hui, je suis rentré sur Katana, je dois déjà être en positif. Pour une bonne raison, c'est que je rentre sereinement sur Katana en me disant j'ai moins de chances de prendre un retour de bâton parce qu'elle est tellement basse et c'est tellement pas mérité par rapport à la qualité industrielle de la boîte, tout ce qui est fait, que mon risque, si je perds, je m'en voudrais pas parce que Katana, toute la baisse, je l'ai pas faite. Je l'ai tradée en haut Ouais, moi quand elle aussi. était. J'ai pris des super plus-values dessus. Je l'ai vendu certainement le jour où le Covid s'est déclenché. Et aujourd'hui, je suis de nouveau acheteur. Elle a divisé par 3. En plus, c'est des voisins pour moi. Ils sont juste là. Ils sont à Canet. Ils sont à Perpignan. D'accord. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est des trades sereins. Et c'est vraiment une notion importante pour moi. C'est quand tu rentres sur une valeur, il faut que tu sois en sérénité par rapport à ce que tu ressens toi. Et ça se manage en quantité d'argent, en acceptation de perte et puis en espoir de gain. Et puis bah, celui qui réussit, c'est celui qui réussit à bien gérer ça. Pour moi, c'est peut-être le plus important dans le training. Qu'est-ce qui te reste à améliorer pour être encore plus bon? Ou quel est ton point faible? Point faible. Ou alors qu'est-ce que tu aimerais faire que tu ne peux pas faire actuellement? À vrai dire, le point faible, je dirais, moi, c'est la peur de la perte de ton gain. Peut-être le point faible, c'est là où j'ai du mal. Mais ça se travaille en money management. À vrai dire, tes points faibles, on les connaît hélas au début, et puis après, tu vas les travailler pour qu'ils s'estompent et qu'ils deviennent moins gênants. Et aujourd'hui, je repense à l'isogène, tiens, une valeur dans laquelle je croyais, et puis finalement, résultat dégueulasse, voilà. Mais j'avais vendu les 2 tiers de ma position avant un gap baissier. Je sors un gap à moins 25, hein, donc tu prends une belle déculottée. Mais je suis sorti complètement sereinement parce que mes gains précédents m'avaient permis de dire voilà, tout va bien, tout va bien, j'ai fait un trade pas terrible, mais l'événement, je l'avais pas vu comme ça, quoi. Et à vrai dire, mon point faible sur ce genre de situation, par exemple, c'était j'ai tout, ça ouvre plus bas. Moi, j'ai un rappel sur Ubisoft où je prends un moins 25, je vends tout, c'est le point bas. Tu peux regarder le graphique aujourd'hui d'Ubisoft, tu regardes le point bas, celui qui a vendu tout en bas, là, c'est Bibi, hein. C'est Ricardo. Donc voilà, on se prend des gamelles. Et cette gestion du stress, d'un gap baissier, d'une chute d'un cours, tiens, il y en a eu aujourd'hui, bon, je m'en suis bien sorti aujourd'hui, mais elle est basée sur qu'est-ce que je fais pour contrer ça? J'ai peur de ça, je suis mauvais là-dessus. Eh bien, si tu es mauvais là-dessus, tu repères ta faiblesse et tu travailles ta faiblesse et tu trouves une stratégie pour la contrer. Et une fois que tu l'as contré, bah ton problème devient de moins en moins important. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui vendent énormément l'idée que les éditeurs vidéo sont des valeurs à trader. Eh bien, moi, je les fuis et je les refuse. Parce que regarde bien toutes ces actions, éditeurs de jeux, combien de gaps ils prennent parce qu'ils retardent juste un jeu.
C'est un secteur dangereux. Tu vois, c'est un petit peu à contre-courant de ce que beaucoup de gens pensent. Le jeu vidéo, faut jouer le jeu vidéo. Et moi, je dis à mes élèves, non, 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 c'est dangereux. Je dis pas que vous avez tort. Il y a des développements géniaux à faire. Mais quand tu prends un gap baissier à la Ubisoft, tu le fais une fois, hein, tu comprends que le secteur est dangereux, tu n'y retournes pas. Et finalement, tout ce qui est dans l'édition, où il y a une notion de lancement de quelque chose, on ne va pas parler des médicaments, hein, mais les biotech, c'est la même chose, eh bien, je fuis. Parce qu'il y a un aléa qui est énorme. Et du coup, j'élimine mes faiblesses en éliminant les secteurs qui sont soumis à ce genre de choses-là. Donc, tout le travail fondamental, il est de, un, trouver les bons secteurs, les bonnes entreprises, mais il est aussi de dire, ouais, mais moi, j'aime pas ce type de valeur parce que. Ça s'appelle d'avoir des convictions. Et j'ai la conviction que je vais me faire découper un jour si je prends, j'ai rien contre eux, mais Focus Home ou Nacon. Et ouais, ok, super ces valeurs. Mais le jour où elles vont faire un gap, Il va falloir pas être là. et donc je les élimine. C'est pas que j'y crois pas, hein, c'est que je les élimine, j'en ai trop peur. Donc si tu veux, les faiblesses, il y en a d'autres, hein, je pourrais t'en sortir d'autres, mais j'ai réfléchi à quelle stratégie je mettais en place pour les contrer. Ok. Et Je sais pas si donc, j'ai répondu. oh, très bien, très bien. Pour conclure, on va dire que bon, tu es arrivé sur Twitter il n'y a pas longtemps, hein. Tu as réactivé ton compte Twitter il n'y a pas longtemps. Parce que moi, j'étais surpris aussi en voyant ton Facebook, en voyant le peu de followers que tu avais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est en fait, tu m'as dit ensuite que ton compte Twitter était un peu à l'oubli, quoi, et que tu l'avais réactivé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est-à-dire que j'ai mon Facebook avait énormément d'informations et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des typologies de gens lecteurs qui étaient totalement différents. Moi, j'ai énormément de gens qui lisent le soir parce que je vois les activités. Comment ça se goupille? Et puis j'ai aussi des gens qui m'envoient des messages. Donc j'ai vraiment une typologie de gens. J'ai pas de traders qui me lisent. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, c'est pas la majorité des gens qui me lisent. Et donc je me suis rendu compte que sur Facebook, j'étais plus dans des gens qui faisaient du swing, voire de l'investissement moyen, peut-être même long. Et ça me va très bien parce que moi, je me vante d'avoir un panel de valeurs qui fait bien mieux que les fonds européens. Donc, ça me va très bien. Mais je me suis dit, des gens à côté me disent, ouais, mais quand tu rentres sur une valeur, on ne sait pas à quel prix, on ne sait pas à quel timing, on ne sait pas tout ça. Et donc, je me suis rendu compte, j'avais aussi une population de gens qui étaient dans le court terme et voire dans l'intraday, même si j'en fais pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, Twitter, vu que bah, j'étais dessus, je regarde ce qui se passe. Je me suis dit, bah, Twitter, c'est le bon vecteur pour la typologie de lecteurs comme ça. Et Facebook va rester plutôt quelque chose pour des gens un peu plus longs, un peu plus long terme. Alors, plus long terme, ça peut être quelques jours, quelques semaines. C'est vrai que Twitter, c'est un petit peu moins ça. Donc après, je laisse les gens choisir, ils piochent. Je prends le Twitter à Ricardo ou je le prends pas, mais voilà quoi. Et puis, parfois, il y a des gens qui viennent sur le Facebook, peut-être grâce à Twitter. Et puis, bah, le Facebook envoie des gens vers Twitter. Mais après, j'essaye de saucissonner que chacun s'y retrouve de manière simple dans ce que je fais. Puisque j'ai de l'ambition, comme tu dis, voilà, j'essaye de réfléchir à comment les gens perçoivent mon univers pour qu'ils s'y retrouvent. Donc, voilà, j'ai mis en route mon petit Twitter. Je l'ai réactivé, effectivement, il y a très peu de temps. D'accord. Pour finir, alors tu parlais de ton coaching et puis en off, tu m'as dit que tu venais vraiment juste de commencer, quoi. Ah ouais, C'est c'est mes premiers élèves, là, ouais. ouais. C'est génial. Et comment ça se passe? Tu t'en prends pas beaucoup? T'es plein là, tu m'as dit jusqu'à la fin de l'année, non? Ah ouais, j'ai même pris. Je m'en veux même, mais à un moment donné, t'as des gens qui te demandent. C'est un peu. Enfin, moi, je sais pas dire non, donc voilà. Mais je me suis mis un petit peu dans la panade, parce que j'en ai pris 6. J'avais objectif d'en avoir 3. Puis j'étais confronté à des demandes un peu partout. J'ai refusé des gens. Hein. J'en suis désolé pour eux, hein, mais je les ai invités à me recontacter en début d'année. Donc ouais, j'ai lancé ça. Et puis on essaye de construire. Alors ces élèves-là sont des élèves un peu spéciaux parce que c'est des gens à qui je dis voilà, je lance le truc, mais moi je sais ce que je vais vous dire, mais je sais pas comment je vais le construire. Je voudrais le construire avec vous. Et puis finalement, j'ai des gens qui sont preneurs. C'est ça qui est génial, c'est que. J'ai lancé un truc en n'ayant rien écrit. J'exagère un peu parce que j'avais quand même écrit des choses, mais et puis ça marche.
parce qu'ils ont besoin, ils aiment bien mon univers, et puis il y a des gens qui ont besoin d'un contact humain avec quelqu'un et qui a un échange, parce que des messages c'est bien, voilà, donc après, je sais pas si je le ferai longtemps, j'en sais rien, mais en tout cas, je prends un plaisir fou, et puis j'espère que ça leur plaît, puis qu'ils sortiront surtout avec un beau bagage pour pouvoir faire du trading. Et j'ai vraiment toute typologie, hein. J'ai entre une retraitée, un jeune étudiant, j'ai toutes les typologies possibles, imaginables, et c'est super sympa. Ok. Voilà, mais très peu de gens, effectivement. Bon ben, on te souhaite bonne chance dans ton futur alors. Et puis, ça a été super sympa de participer à cette interview. Même si au début t'étais pas très chaud, mais bon, en insistant un peu, c'est bon, ça y est, ça a été fait quoi. Bah, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement être exposé aux médias, mais bon, j'ai vu que toi c'était différent. Ouais. Et en plus, bah, le personnage est vraiment super sympa. Et j'invite tous ceux qui sont invités par Denis à le faire parce que ça fait du bien de partager. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que si on fait un petit peu tout ça sur les réseaux ou avec les gens, c'est peut-être parce qu'on a aussi besoin de rencontrer du monde. Et de parler de notre passion, parce que c'est vrai qu'autour de soi, c'est pas toujours simple. On a parfois des gens très opposés à tout ce qu'on fait. Et il faut être fier de ce qu'on fait. Et on a des bonnes raisons de le faire. Et notre argent, il aide des entreprises. Faut pas l'oublier. Notre argent aide des entreprises. Sans cet argent-là, bah, ils n'auraient pas de machines et il n'y aurait pas Ouais. d'ouvriers derrière. Et faut être fier de ça. Ok. Merci Richard, à la prochaine alors. Allez, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao.